Après USS Alabama et The Rock, Jerry Bruckheimer présente sa nouvelle production, Con Air, en français Les Ailes de l'Enfer, avec Nicolas Cage, prisonnier libéré sur parole, qui se retrouve dans un avion détourné par la Piracaille, d'où quelques exercices particulièrement périlleux. Cameron Poe. C'est moi. Larkin. Salut Larkin. J'ai eu votre message. Où est l'armée? Ils sont pas loin. Ils sont pas loin. Ah, ils vont arriver. Dites, Poe. Est-ce que je peux rengainer? Allez-y. Et vous rengainerez-vous aussi? Désolé, boss, mais je n'ai confiance qu'en deux hommes. Le premier, c'est moi, et l'autre, c'est pas vous. Je dois dire que je le veuille ou non, j'ai été obligé de faire moi-même une grosse partie des cascades dans ce film. J'ai travaillé en ce sens car ils voulaient voir mon visage devant la caméra. Donc oui, je me suis retrouvé avec des explosions à quelques mètres de moi, les pales d'hélicoptère à quelques centimètres, des balles qui fusaient dans tous les sens. Il y avait donc pas mal d'intensité, et je peux même dire de peur. Pour être honnête, parfois j'ai vraiment été effrayé. Les Ailes de l'Enfer, également interprétées par Steve Buscemi, John Malkovich et John Cusack, de l'action pure et dure qui décoiffe, réalisée par un ancien de la pub, l'anglais Simon West, dont c'est ici du reste le premier long métrage et qui n'a pas lésiné sur les moyens. Je pense que les acteurs du film ont été attirés par le script. Et une fois que Nicolas Cage a accepté de le faire, ça a été ensuite plus facile de convaincre d'autres grands acteurs de qualité à venir nous rejoindre. Sur les grosses scènes d'action, nous avons 15 caméras. Je prends la journée entière pour placer toutes ces caméras avec le meilleur angle possible pour être sûr d'avoir chaque partie de la cascade ou de l'explosion. Je me mets alors face à mes 15 moniteurs, je croise les doigts, je presse le bouton et la cascade se déroule. Cyrus, aide-moi. T'as raté ta correspondance, on dirait. On venait vous prendre. On avait l'intention de... Oh, pitié, Cyrus. Cyrus. Onara. C'est un concept intéressant, cette histoire avec tous ces super criminels qui se retrouvent dans cet avion et qui en prennent possession. Moi, ce qui m'a motivé à interpréter le personnage que je joue, c'est cette notion de réhabilitation. Il est libéré sur parole et s'apprête à rentrer chez lui pour voir sa famille. L'idée de cet homme qui vit avant tout pour sa famille, c'est exaltant à jouer. C'est bien par ce biais d'injecter dans ce film d'action un peu d'émotion et de sensibilité. De l'émotion, certes, mais surtout de l'action, avec notamment une scène spectaculaire durant laquelle l'avion des prisonniers atterrit en plein Las Vegas. Et on a eu recours, bien sûr, pour régler cette scène, à l'ordinateur, aux maquettes, au trucage, avec la juxtaposition de deux images, une réelle tournée sur place, une autre générée par l'ordinateur.